Tu as besoin d'avoir un entourage. Je veux dire, à moins que tu veuilles te limiter à du contenu écrit, puis tu vas faire des capsules vidéo avec ta webcam de ton portable ou avec ton iPhone, tu vas te filmer toi-même. À un moment donné, je veux dire, ça devient de l'artisanat. Puis je dis pas que ça pourrait pas fonctionner. Peut-être qu'il y aurait moyen de le faire fonctionner très, très bien. Mais là, à ce moment-là, l'investissement de temps va aller en augmentant parce que si tu commences à éditer ces choses-là, des choses pour lesquelles tu n'es probablement pas non plus compétent. Puis moi, si je deviens un expert en édition de films, ben c'est peut-être pas ça mon rôle. Moi, je crois qu'on a besoin d'avoir un travail d'équipe. Mais je veux dire, on a besoin de quelqu'un qui la responsabilité du professeur reste très, très importante et principale. C'est pas l'équipe qui va dire quoi faire. Il faut que le professeur s'investisse suffisamment pour pouvoir indiquer la direction. Mais autour, on a besoin d'un minimum de support. Je pense que ce qui a aidé, c'est vraiment qu'on était plusieurs. Tu sais, quand t'es venu le temps d'apprendre à travailler avec Illuminate, on était avec les gens du CRP, ouais. Avec Guylaine, fait qu'on a fait des essais à erreurs. Puis ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup diminué les craintes, mm-hmm. puis le travail. En fait, mm-hmm. là, ça a facilité le travail d'adaptation. Mais dans le fond, on avait un support qui nous... Eux autres faisaient beaucoup les tests, puis finalement, on bénéficiait de toute l'équipe. C'était pas juste nous autres qui avions à faire le travail. Ça a fait une grosse différence.